Surprise, motherfucker. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Fatality. C'est Bardo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi en PvP Swap sur un map Duel et Citadel, vous allez voir pourquoi. Un défi qui m'a été proposé par Gaudi et qui consiste à retirer une partie de l'armure à chaque kill. Donc là on est parti sur un map Duel pour le premier swap. Donc je tombe sur un mec pas très très fort on va dire, voilà, donc j'arrive à me séparer de lui assez facilement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite retirer mes bottes et après voilà je vais partir sur le reste du genre l'enchantement etc. Ce défi n'est pas forcément difficile mais en même temps il est hardcore vers la fin quand t'as plus d'armure etc. Enfin vous allez voir ce que je veux dire à peu près. Je vais vous couper quand même la partie d'enchantement et ensuite on se retrouve pour le deuxième swap. Comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'avez largement remarqué, mais je commente en voix off parce que quand j'ai rec les séquences de vidéos, j'avais pas forcément envie de commenter. Et donc je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, on n'a pas fait de voix off. Et donc voilà. Là, vous pouvez voir que j'ai balancé le mec avec un KB dans les airs. Mais bon, le kill, il va pas être compté, il va être compté pour le chicken. Mais c'est pas grave, j'ai quand même retiré mon casque à un moment. Ce qu'il y a, c'est que là, je me dis, sur cette map, il y a du fer, c'est-à-dire que je peux peut-être me faire un petit saut et tout. Donc, je décide de m'en créer, hein, donc voilà. Saut de lave vraiment meurtrier en PvP ça, parce que personne n'y fait gaffe, personne s'habitue à avoir un saut de lave, quoi. Donc c'est vraiment meurtrier, vous allez le voir. C'est pour ça que pendant ce temps, là, je faisais mes petits trucs. Donc en tout cas, merci à toi Gaudi de m'avoir proposé ce défi. N'hésitez pas à proposer tous les défis dans les commentaires et à aller liker ceux que vous préférez. Comme ça au moins, on vous verrait bien pour le défi 33 lequel ce sera. Et voilà, ensuite, après avoir fait mon saut de lave, on est TP. Et j'arrive vers un mec, je le vois qu'il est pas trop réticent parce qu'il monte pas très vite. Donc moi je me dis, allez, on va faire le bâtard, on va l'attendre et on va la jouer gamin. Et brah, allez, crame mon pote, à la prochaine, voilà. J'espère qu'il s'est bien régalé dans son petit jacuzzi. En tout cas, voilà, comme je vous dis, personne s'attend au saut de lave et c'est vraiment meurtrier. Et puis voilà, donc là je retire le plastron parce que je me suis dit, allez, on va la jouer jusqu'au bout en mode beau gosse. Je me suis dit, je vais garder le pantalon. D'ailleurs là encore, les chicken qui me font tomber dans la lave, ils me mettent dans la merde, hein, franchement. Vous avez pu le remarquer dans l'intro que c'est vraiment vraiment des PD ces chicken. Enfin bref, allez hop, on est parti après pour un nouveau swap. Je vous rappelle, il me reste plus que le pantalon à ce moment là, donc je le mets dans la lave assez facilement. Un petit caméléon, j'ai pas compris, enfin voilà quoi. Et après, je commence à lui mettre quand même des bons petits trucs et tout, parce que voilà, et là je me fais niquer mais d'une manière pas possible. Pourtant voilà, j'avais plus que le pantalon et franchement je me suis fait avoir d'une manière vraiment conne. Il lui restait un shot quoi et j'étais dégoûté. On se retrouve ensuite pour une autre game en PvP swap duel. Et cette fois-ci ça va se dérouler plutôt pas mal. Et en même temps vous allez vite comprendre que je crois que j'étais pas fait pour tourner ce défi à ce moment-là, quoi. Comme je vous ai expliqué dans une partie de Skywars, il y a des fois, t'es pas fait pour hack une vidéo, et je crois que ce jour-là, c'était pareil. J'étais pas fait pour. Pas prêt pour hack une vidéo, en tout cas. Voilà, quoi. Ça faisait assez bizarre. Le premier mec, je l'ai assez plutôt bien niqué. J'ai retiré les bottes, voilà, et là, je me retrouve avec Frozou. Voilà, donc Frozou qui est une abonnée fidèle, d'ailleurs salut à toi si tu passes par là. Et donc on a fait un petit fight à l'amiable entre guillemets parce que voilà quoi, on a attendu d'être prêts tous les deux pour ce fight. Et voilà, GG à toi en tout cas Frozou. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça fait bizarre de reprendre les commentaires en voix off, enfin de refaire un commentaire en voix off. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien de temps en temps un petit voix off. Moi je trouve ça vraiment sympa, mais est-ce que vous aussi ça vous plaît? On verra bien en tout cas.
Là, j'arrive sur un nouveau swap. Il me restait pantalon et plastron, si je dis pas de bêtises. Donc là, un mec en mode fantôme, il a cru que je l'avais pas vu, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas, voilà. Et là, j'avais plus d'épée avec l'Expert Liarmus Shield. Donc j'ai décidé de me laisser tuer. Et là, il a remarqué que j'avais plus d'épée. Donc il va la jouer fair play. Il va me donner une épée et tout. C'est super sympa de ta part, mec. Skrizik, merci à toi. C'est vraiment sympa les gens qui jouent fair play comme ça. C'est comme. Comment il s'appelait l'autre qui a joué fair play et tout, qui était super sympa. Grizik, je sais pas, un truc comme ça. Enfin, s'il passe sur la vidéo, il se reconnaîtra. En tout cas, c'est sympa les gens qui jouent fair play comme ça quand ils voient que je fais un défi ou quoi. Et donc, c'est cool parce que lui aussi, il a retiré une partie de son armure et tout pour qu'on soit à peu près équitable. En tout cas, c'est super sympa. Et voilà, il se fait kill, mais encore GG à lui. C'était vraiment fair play. Voilà. Allez, ensuite, on passe à un nouveau swap parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Et là, ça va être un petit beau spam parce que voilà, j'en avais marre de me faire niquer à chaque fois. Donc là, il me restait plus que le plastron, hein, juste pour que vous soyez au courant du défi. Il me restait que le plastron, vous pouvez le voir aux trois petites armures. Et puis voilà, je le nique que à l'arc. Au départ, j'avais pas fait exprès, je voulais aller un peu à l'épée, mais j'avais pas vu qu'il avait si peu de vie. Donc voilà, ça l'a fini. Je me suis même excusé d'avoir spam arc, mais bon, voilà quoi. Et on se retrouve ensuite pour le duel, enfin le PvP swap final, voilà. Et donc le mec, il m'avait demandé si je faisais un défi, etc. Je lui ai dit que oui. Et je lui ai dit, voir, enfin au départ, je lui avais dit just word, enfin voilà quoi, PvP. Il m'avait dit ok. Et après, en fait, il a vu que j'étais en plastron, donc il a fait pareil que moi. D'ailleurs, il jouait canapèche et tout, donc ça devait être un bon joueur. Et donc là j'arrive, tu vois, j'étais fin prêt et tout, j'étais chaud patate. Et vous allez voir que ça va plutôt mal se passer pour moi, parce que je me suis fait bizuter par le jeu, mais à un point. Mais franchement, j'en ai marre des fois. Je me dis que vaut mieux que je reste dans mon lit à pleurer sur des films d'amour, parce que là voilà, caméléon, hop, tu le vois plus. Tu peux plus rien faire, tu le vois plus. Franchement, des fois c'est mal foutu leur truc quand même. Et donc là, après, on se retrouve pour la troisième game. Moi, j'étais en PvP swap Citadel. Parce que voilà, c'était un matin où il y avait cours. Et donc, il y a très peu de joueurs. Quand il y a cours, et ben voilà quoi. Je me suis dit, hop, on va sur Citadel. Parce qu'il y a souvent des gens. Et donc, ça va plutôt bien se passer pour moi. Malgré que j'ai pas eu de middle, je vais quand même pouvoir avoir ben, voilà, des bons petits équipements. Et ce qu'il y a, c'est que là aussi, ça a plutôt bien se passer pour moi, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je me fais bizuter par quelque chose, quoi. Franchement, j'ai l'impression que je me fais victime tout le temps. C'est vraiment impressionnant, en tout cas. Moi, des fois, je me dis, mais putain, mais mec, pourquoi tu te fais chier encore sur ce jeu, alors que tu sais très bien que tu vas te faire victime, quoi. Mais bon, en tout cas, ça me fait marrer quand même de temps en temps, même si des fois ça me fait rager. C'est vrai que c'est quand même drôle de se faire victime un peu des fois, c'est plutôt rigolo. En tout cas, premier swap, déjà là je tâtais un peu le terrain parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. Je me suis dit, oh, allez hop, on rush, on est des fous. Moi j'ai, franchement, je crois j'ai fait, allez, 20 essais pour ce défi, et à chaque fois je me faisais bizuter, mais d'une façon mais médiocre, mais d'un truc de fou. Donc là je fais le premier kill, je retire mes bottes, et ensuite je me dis, allez, Citadel, on peut pas rester là dessus, on doit continuer. Et je vois un mec avec, vous savez, le stuff du middle, quoi, avec les bottes en diams, etc. Et il faisait le malin, mais je vais vite le calmer quand même, le pauvre. Ah, miskin. Enfin bref, il faut pas trop spoil, tu vois, je suis plus habitué au commentary off, tu spoil un peu, enfin voilà quoi, c'est triste, ça c'est moment triste, enfin bref. Donc là moi je décide de me mettre au sous-sol, de l'attendre un petit peu en mode bâtard, et ce qu'il y a c'est que, il a bien joué aussi, mais j'ai quand même le défoncer, enfin entre guillemets, voilà quoi, bon. Le défoncer en partie parce que mon instinct de mage l'a mis midlife, voilà. Et après, je le finis assez tranquillement, sans moindre problème. En tout cas, GG à lui aussi. Hein. Moi, de toute façon, je respecte tous mes adversaires, que je gagne ou que je perde. Même si quand je perds, souvent, je rage, donc je dis ta mère, tu vois. Mais bon, voilà quoi. Vous m'avez compris.
En soi, c'est sous l'effet de la rage que tu dis ça, mais après, tu respectes tous tes adversaires, qu'ils soient nuls ou bons. C'est voilà, tu t'es fait battre, tu t'es fait battre, c'est tout quoi. Voilà, y a pas à parler. Enfin bref, là je mets une putain de flèche. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, je me suis gavé. Et après, voilà, je le finis d'une façon plutôt jolie. Et je vois qu'un mec derrière me suit. J'ai pas eu le temps de retirer une pièce d'armure. Je suis désolé hein, pour ceux qui sont vraiment purs et durs du défi. J'ai pas eu le temps de retirer mon armure. Je suis désolé, mais c'était ça, soit ça, soit je mourrais. Et donc voilà, là je retire mes deux dernières pièces d'armure vu que j'ai fait deux kills et je me retrouve no stuff. Et sur ma magnifique tower en slime, en cube slime là, enfin voilà, très très sexy, moi j'adore. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de beau. J'avais une sword Diamonds Sharpness 3, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, on se retrouve pour le swap final. Et voilà, j'étais no stuff, j'avais une Sharpness 3 en diams. Et là, le mec, il était full stuff, voilà quoi. Bon, vous imaginez le truc. Et là, je lui mets quelques petites flèches et boum. Là, je commence à lui mettre un combo sa mère. Et là, il lui restait un cœur et demi. Et je sais pas pourquoi, mais je pouvais plus le toucher. Ah là, j'avais les morts, mais à un point. Mais voilà, quand je vous dis que le jeu, des fois, il veut pas vous laisser gagner. Enfin bref, et ensuite, un peu d'idées, un petit bonus sur ma citadelle. Je prends le middle, etc. Et après, je vous laisse regarder. En tout cas, j'espère que ce défi vous aura plu, malgré qu'il n'ait pas réussi. Si vous aimez les voix off, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu pour qu'on atteigne les 1500 likes, ça me ferait super plaisir. En tout cas, moi je vous laisse sur ce petit bonus et moi je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu et ciao, bye bye. Jim Boros, better make it brass.